Chapitre 8. Conflit. Excusez-moi, vous descendez? Pardon. Pardon. Vous pourriez faire attention. Oh, excusez-moi, je suis désolée. Mademoiselle, mademoiselle. Laissez-moi tranquille. €10 le kilo? Mais c'est du vol! Et la priorité? T'es aveugle ou quoi? Espèce d'abruti. Je suis navré, je ne vous avais pas vu. Et vous? Faites la queue comme tout le monde? C'est pas bientôt fini, Zakar! Il y a des gens qui voudraient dormir ici! Retard. Ah, te voilà. Tu as vu l'heure? Ça fait une demi-heure que je t'attends. Excuse-moi, mais le téléphone a sonné au moment où je sortais. Ouais, tu as toujours de bonnes excuses. C'est la deuxième fois que tu me fais le coup cette semaine. J'en ai ras-le-bol. Calme-toi, ce n'est pas si grave. Je suis là. On voit bien que ce n'est pas toi qui te gèle dans la rue. Rapport. Démarrez. Vous pouvez venir dans mon bureau? Oui, monsieur le directeur. Démarrez, j'ai un reproche à vous faire. Je m'étonne de ne pas avoir reçu le rapport Schmitt. Vous me l'aviez promis pour lundi. C'est que je n'y suis pour rien. Comment ça? Monsieur Hubert de la comptabilité me l'a repris. Il m'a dit que vous l'en aviez chargé. J'ai dit ça? Ah bon? Eh bien, merci, Démarrez. Au revoir, monsieur le directeur. Réconciliation. Allô, Hélène? Hélène, je voulais m'excuser pour hier soir. Je le sais, j'ai été odieux. Je regrette tout ce que je t'ai dit. Je ne le pensais pas. J'étais énervé à cause de tous ces problèmes au travail. Pardonne-moi, notre amour ne peut pas finir comme ça. Hélène, réponds-moi. Dis-moi quelque chose. Quel numéro demandez-vous? Dictionnaire. Adelphine, te voilà. Tu ne m'as toujours pas rendu le dictionnaire que je t'avais prêté le mois dernier. Oh, je suis désolée. Ça m'est complètement sorti de la tête. Tu exagères. J'en avais besoin pour préparer mes examens. Oh. En plus, je t'ai laissé 3 messages sur ton répondeur et tu ne m'as même pas rappelé. Tu te fiches du monde. Écoute, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que tu en avais besoin. Au fait, je suis contente de te voir. Je n'ai pas ma carte de crédit. Tu pourrais me prêter 50 € pour quelques jours? Chapitre 9. Communiqué. Au guichet de la poste. Bonjour, je voudrais envoyer un paquet en Suisse. Oui, non recommandé? Non, normal. Il faut remplir cette fiche pour la douane. D'accord. Il arrivera dans combien de temps? Une petite semaine. Ah bon? Ça fait combien? 7,30 €. Voilà. Merci. Au revoir, madame. Au téléphone. Erreur. Allô? Nouveaux Horizons? Ah non, monsieur. C'est une erreur. Vous n'êtes pas Nouveaux Horizons? Non, monsieur. Quel numéro demandez-vous? Le 05 77 34 72 00. Ah, vous avez fait un faux numéro. Ici, c'est le 05 67. Ah, merci. Excusez-moi, madame. Ce n'est rien. Au revoir, monsieur.